Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour les tirages été 2022, pour la période estivale, donc des prévisions pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous cet été, savoir à l'avance. Donc c'est un tirage de 3 mois, on va regarder pour le mois de juillet, du mois d'août et du mois de septembre. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Donc il reste deux signes, on va prendre le premier, donc les taureaux ou les poissons, en fait c'est égal. Parce que les taureaux, je les ai faits hier par rapport au tirage que je suis en train de faire actuellement, qui sont les tirages de la semaine. Oui, j'ai fait hier pour la semaine prochaine du 20 au 26 juin 2022. J'espère que ces tirages vous plairont. N'hésitez pas à aller les voir, ils étaient très informatifs, très intéressants, avec une nouvelle formule. Ok, les taureaux, ascendant taureau, bienvenue pour votre tirage de l'été. Donc, je vous ai dit, on va poser des lignes qui sera pour 3 mois, juillet, août, septembre. Donc, comme l'été se termine le 21 septembre, on va utiliser plusieurs jeux. L'oracle des énergies, message angélique, l'oracle des chakras, l'oracle des médailles et l'améthyste love. Comme ça, vous pourrez voir l'évolution et qu'est-ce qui vous arrive pour cette période. Donc, prévisionnel, vous pouvez revenir dessus durant la saison de l'été. Donc, taureau, vous pouvez regarder votre ascendant aussi. Bienvenue aussi sur la chaîne Les Guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer la cloche en haut à droite pour le soutien et pour que vous receviez vos vidéos taureau directement. Vous avez les notifications. Si vous voulez une guidance personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Voilà. On va commencer tout de suite pour voir ce qui se passe pour le mois de juillet. Taureau pour le mois de juillet 2022. Alors, bon, j'ai cette carte qui s'est retournée, qui a sorti directement. Eh bien, on voit que vous êtes sorti de terre, je pense, après de longues batailles, de hardeur, de difficultés, gagnant et triomphant. En tout cas, on nous annonce qu'il y a eu vraiment quelque chose à travers lequel vous avez dû passer, la terre, vous voyez? Et vous en sortez parce que la carte, c'est la carte numéro 1. Vous en sortez, vous êtes gagnant, vous avez traversé la tempête, la difficulté, la dureté de la vie. Et on dit qu'en juillet, on s'en sort. Vous arrivez au bout. Bah, c'est super pour commencer. Hein. Mois de juillet, taureau pour le mois d'août. On va voir ce qui se passe par la suite. Taureau pour le mois d'août 2022. Ah, bon, aujourd'hui, ça saute. Hein. Vous avez le chakra de la couronne. Et c'est une belle carte, couleur magenta, j'adore. on vous annonce ici une connexion avec le chakra de la couronne, donc le plus haut placé, donc qui nous connecte directement à l'univers. Il faut que je boive, parce que je crève de soif. Pardonnez-moi, il fait très chaud, très sec. Donc, connexion au spirituel, connexion, en tout cas votre chakra coronal nous dit ici qu'il sera ouvert. Vous allez avoir certainement peut-être des compréhensions dans votre vie que vous n'aviez pas avant pour peut-être aussi arriver. Je dis peut-être parce que c'est mon interprétation des prévisions. Une compréhension spirituelle de ce qui n'a pas marché précédemment, faire un peut-être un bilan, mais aussi avoir des compréhensions sur des situations spirituelles, une connexion. C'est pas comme le troisième, mais votre chakra coronal sera plus ouvert pour percevoir les vérités spirituelles, si on peut dire comme ça, de ce qui vous est arrivé et pourquoi et comment, les causes à effet, le karma ou etc. Alors, le taureau, on va regarder pour le mois de septembre 2022. Taureau, septembre. Taureau pour le mois de septembre. Où il y a une belle ouverture pour vous à ce niveau-là. Vous avez un éveil, une grande ouverture, une évolution. Taureau pour le mois de septembre. Taureau pour le mois de septembre. Très, très jolie couleur. Vous voyez? Pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? Waouh, vous avez un très bel été. Mais d'ailleurs, dans le tirage, déjà, je crois, du mois de juin, n'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez pas vus, vos prévisions. On avait déjà cette notion de fin de cycle, de changer, de quelque chose qui arrive de différent, de plus répéter les mêmes problèmes.
et dans le tirage de la semaine aussi. Hein, vraiment, on voit que vous sortez de certaines problématiques où vous étiez assez entêté et vous avez la victoire. On nous dit ici, pour cet été, vous avez la victoire, vous êtes connecté vraiment à la source. Vous avez ici comme un accomplissement d'une destinée. Vous voyez la lumière au bout du tunnel. Il y a la notion du destin, la protection spirituelle. Magnifique. On continue les taureaux avec message angélique. Alors, taureau pour le mois de juillet. Je vais juste voir quelque chose avec mes chats. Attendez un instant. Voilà, excusez-moi, je reviens. J'avais juste à ouvrir. Alors, on va regarder ici pour les taureaux pour le mois de juillet 2022. Taureau pour le mois de juillet 2022, qu'est-ce qui vient pour vous avec les messages angéliques? Taureau pour le mois de juillet 2022. On va voir les énergies que l'on vous transmet. On voit que, alors, on nous parle que vous retrouvez la santé. On retrouve la santé, vous retrouvez, si vous étiez en déséquilibre ou dans une période un petit peu difficile, on voit que l'énergie de l'alignement ou un équilibrage de tous vos chakras se refait. Donc, vous retrouvez une nouvelle force pour cet été. C'est normal, dans une énergie de renaissance, on ne peut que être bien. Voir pour le mois d'août, taureau pour le mois d'août 2022. Taureau pour le mois d'août. Pedro, tenez. Pardonnez-moi. Alors, taureau pour le mois d'août. Moi, j'ai juste des travailleurs qui sont venus chez moi. Mais je peux faire mes cartes et ils font leur travail. Alors, je ne vais plus être dérangée maintenant. Alors, on nous dit d'y croire. Là, le message angélique pour le mois d'août, les taureaux, on vous dit d'y croire, que les choses vont pouvoir s'améliorer comme on l'a ici. On voit que vous réalisez des rêves, hein, vous atteignez vos rêves. J'ai l'impression qu'il y a une grande bataille parce que quand on voit cette carte, il y a beaucoup de cartes numéro 1, c'est qu'on traverse quelque chose de dur, là, on traverse la terre, c'est quelque chose de dur. Ça a été donc, je pense, une période assez difficile pour vous. Voir pour le mois de septembre, taureau pour le mois de septembre. Taureau pour le mois de septembre 2022, taureau pour le mois de septembre. Taureau septembre 2022, taureau septembre 2022. Est-ce que j'ai un message qui saute? Alors, pas tous les jeux sautent. Parfois non. J'espère que ces tirages prévisionnels vont vous parler, vous aider. Alors, on a l'équilibre. Alors, ce soit la carte où les choses s'équilibrent complètement dans votre vie, où vous aurez un petit compromis à faire au mois de septembre par rapport à une autre personne, par rapport à une situation où dans votre vie, il y aura un compromis en septembre. Je ne sais pas si vous avez commencé quelque chose. On met une situation de côté et on en garde une autre. Je vois le dos de deck, oui. On parlait aussi de déménagement dans les tirages de la semaine et précédemment, donc je pense qu'il y a pas mal de taureaux qui vont bouger. On nous dit que vous posez des bonnes bases pour des projets futurs qui auront une chance, le dos de deck. Là, on nous dit de lâcher prise, de laisser le passé derrière vous. Et on continue avec l'oracle des chakras. Alors, les taureaux pour le mois de juillet 2022. Taureau pour le mois de juillet 2022. Faut qu'un courage avec les chaleurs que l'on a, hein. Après, je vais à la plage. Les taureaux pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a comme énergie taureau pour le mois de juillet 2022? Alors, on va regarder tout de suite. Bon, on nous parle carrément de miracle. Il y a quelque chose de miraculeux qui arrive pour vous, hein. Un changement, peut-être un déblocage ou un grand renouveau. Vraiment, miracle, c'est quelque chose que vous n'aurez jamais imaginé. Il y a un énorme changement que je sens là. C'est une magnifique carte. Vous arrivez, vous allez, vous le ressentez déjà, vers une grande transformation.
C'est comme si c'est une situation qui arrive que vous n'aurez jamais imaginé. Carrément. La carte du miracle. Waouh. Très très belle carte. Il y a une situation, votre vie là, qui change du tout au tout, j'ai l'impression. On ne va pas répéter les mêmes schémas, on va changer. On va avoir des compréhensions qu'on n'a pas eues avant. Alors, on va demander pour le mois d'août, Taureau pour le mois d'août 2022. Taureau pour le mois d'août 2022. Taureau pour le mois d'août 2022. Hein, Kumara? Kumara? Taureau pour le mois d'août. On va voir ce qu'on a. Alors, oui, accorder le pardon. Donc ça, c'est souvent aussi quand il y a une fin de cycle qui arrive par rapport à un grand changement. Là, on voit, c'est très joli la carte. C'est, voilà, par exemple, un rhinocéros qui pourrait être dangereux se met en tendresse avec un enfant très fragile. La force et la fragilité. On nous dit de pardonner à soi-même les erreurs qu'on a fait, pardonner à nos ennemis, hein, ou les forces extérieures. Elle est très bien. Il faudrait que je pense plus souvent à cette carte. La représentation, elle est sympa. C'est cette force ou cet animal qui pourrait nous faire du mal. Et en plus, nous qui pouvons être en faculté, comment on dit, en difficulté ou en position de faiblesse. Et là, on se pardonne et on est amis. On est ensemble. Taureau pour le mois de septembre. Taureau pour le mois de septembre 2022. Taureau pour le mois de septembre. Taureau pour le mois de septembre. Alors, qu'est-ce qui arrive en septembre? Donc, vraiment, vous bouclez la boucle. Cette carte est sortie souvent dans les tirages de cette prévision estivale. On voit que vous allez faire vos activités en toute sécurité. Là, il y a des personnes qui vous regardent avec de la jalousie, qui sont flemmardes ou qui ne font rien. Et on voit que vous, vous êtes fiers, totalement clairs avec votre travail. Parce que le halo, c'est « j'ai rien à me reprocher ». Vous avez peut-être commencé quelque chose de nouveau. Vous êtes clair, vous êtes... Voilà, tout a été réglé. Hein. On voit quand même en doute, dès qu'il y avait une insécurité, il y a de la jalousie, il y a eu de la jalousie aussi. Mais... Soyez, si c'est en rapport avec une activité qui commence ici en septembre, on est totalement en accord avec nous-mêmes. D'accord? Il n'y a pas, on n'a pas de doute sur soi, on n'a rien qui pose problème. Alors, on va continuer avec l'oracle des Médéors pour le mois de juillet. On va voir ce qui se passe en un complément ici. Donc, les taureaux... Taureau pour le mois de juillet 2022. Taureau pour le mois de juillet 2022. Taureau pour le mois de juillet 2022. Un oracle est très parlant. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous ressentez ces changements dans votre vie. Hein. Taureau, juillet 2022. J'ai quelques cartes à l'envers. Taureau, juillet 2022. Taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On retrouve la paix intérieure. C'est cet alignement hein, que je vous disais avant. Vous étiez peut-être déséquilibré. Là, la carte du compromis, où est-ce qu'elle était? Ici, vous allez certainement retrouver cet équilibre des énergies en vous. Vous voyez? Et la paix intérieure, c'est cet arbre intérieur. C'est qu'il n'y a pas de dysfonctionnement. Il n'y a pas que le, par exemple, que le... cœur qui fonctionne et pas le troisième œil, il n'y a pas que le chakra de la création qui fonctionne et pas le spirituel. Tout est aligné, tout est ouvert, tout est en paix. Donc on a à nouveau une très belle carte pour vous. Il y a un bel été qui s'annonce, hein, un renouveau important pour votre signe ici. Ouf, c'est chaud. Je vais regarder pour le mois d'août. Et ensuite, vous aurez votre tirage de la semaine des deux, des six autres signes que j'ai pas pu faire hier. J'ai pas eu le temps. Une vidéo trop longue aussi. Vous pourrez la regarder tout à l'heure. Taureau pour le mois d'août 2022. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Taureau pour le mois d'août. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Je vais voilà, vous montrer après, mais je vais continuer un petit peu à brasser. Taureau août 2022. Taureau août 2022.
taureau de 2022. Alors la carte qui est sortie, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est terminé, qu'on oublie, qui ne donne plus rien, qui est mort, hein, et froid et joli. D'accord? Donc je vais la laisser là, je vais la recouvrir avec une carte que je vais tirer. Ouais, mort, renaissance, la fin d'un cycle. On voit bien aussi une notion karmique. C'est sorti beaucoup. C'est sorti beaucoup dans les tirages de la semaine. La semaine prochaine, il y a beaucoup de fin de renouveau. Là, de fin de renouveau, oui, oui, je peux dire ça. La transformation, le 8, fin d'un schéma, d'un karma, d'un cycle surtout. Donc, avec l'hiver, il y a la mort, le désintérêt, l'oubli. La transformation nous parle aussi de ce changement qui pourrait être carte 13. Là, c'est la carte 10 qui nous parle à nouveau d'un nouveau départ. Carte 1, 1, avec la première ici pour vous, les taureaux. Donc, la transformation positive. Il y a une partie en vous qui refleurit. Vous renaissez à vous-même. Super joli. Et on regarde la dernière carte. Ensuite, je vais regarder quelques cartes sentimentales. Les taureaux pour le mois de septembre 2022. Taureaux, septembre 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Taureaux, mois de septembre 2022. On a des cartes bleues. Alors, on nous parle d'un ex-partenaire. Alors, peut-être qu'il y aurait un petit retour probable d'un ex ou une personne avec qui vous avez eu des soucis peut-être, ou vous êtes sorti de cette situation, qui risque de refaire surface, mais on voit que c'est pas quelqu'un de très bon, ou il sera pas de très bonne intention. D'accord? Alors, je vais voir ici pour les cartes sentimentales. Une information importante à noter, tout va très bien, sauf ici, le retour d'un ex, et on ne sait pas pourquoi. Et il n'est pas très, très intentionné. Taureau pour le mois de juillet. Taureau, juillet 2022. En amour. Taureau, juillet 2022. Taureau, juillet 2022. Taureau, juillet 2022. Taureau, juillet 2022. On va tirer une carte. Ce n'est pas les tirages qui vont être représentatifs du mois de juillet. Hein. Peut-être ça va parler à certains. C'est juste un message. Ah, on a une séparation, ouais. Donc, il y a un ex-partenaire dans l'air. Hein. Pour certains, là, c'était clair et net. J'ai tiré, ça n'a pas sauté au hasard. Il y a des couples qui vont se séparer en juillet. Vous êtes peut-être vraiment dans cette fin de cycle aussi au niveau amoureux. Alors, les taureaux pour le mois d'août. Taureau août 2022. Taureau pour le mois d'août 2022. Taureau août 2022. Taureau août 2022. Août 2022. Comme je dis, il est un peu difficile à manier. Ah bah réconciliation. Bon, ça va être un petit peu particulier. Alors, soit on se sépare avec cette personne et on se réconcilie, ou on se réconcilie avec soi-même, d'être en accord, hein, la transformation, d'être en accord avec soi face à cette décision. Je ne sais pas si vous les voyez. On peut remonter un tout petit peu. Et on va regarder la dernière carte pour les taureaux pour le mois de septembre. Taureau, septembre 2022. Taureau, septembre 2022. En amour, qu'est-ce qui vient vers vous? Je tire à côté, là. Hop, je coupe. Problème. Problème d'addiction. Il y a peut-être une réconciliation suite à un problème que vous avez réglé ou vous êtes réconcilié avec vous-même, mais vous restez séparé. En septembre, on nous dit, disons que cet été, on s'est séparé à cause de problèmes qu'on avait peut-être, nous, d'addiction, donc les taureaux, vous avez guéri, ou vous voulez arrêter parce que l'autre personne a des problèmes d'addiction. Peut-être elle revient, elle n'est pas bien mentalement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On va de toute façon faire un tirage détaillé de l'amour pour le mois de qui arrive, donc le mois de juillet. Voilà mes chers amis, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me mettre en retour votre commentaire sur cette vidéo. À tout bientôt, au revoir.